À partir du moment, comme vous l'avez dit, on peut contester le zonage. Soit, admettons que l'on conteste une partie du zonage de la faute, une partie du zonage de l'aiguillon et une partie du zonage de la pointe de l'aiguillon. Dans l'hypothèse où l'État, enfin, on gagnerait, on aurait donc la zone noire qui disparaîtrait. Combien de temps pouvons-nous nous fixer dans la tête pour avoir une telle décision? On pourra essayer de faire une procédure d'urgence devant le tribunal administratif, c'est-à-dire de demander la suspension de la décision, ça c'est 3 mois. Pour avoir un jugement, alors, pour gagner un référé suspension, il faut 2 conditions. Il faut qu'il y ait une urgence, donc effectivement, si vous avez l'eau et l'électricité coupée, ça c'est une urgence. Oui. Et puis deuxièmement, il faut qu'il y ait un moyen sérieux. Donc, on pourrait tout à fait, je pense, dans le délai de 3 mois, obtenir une décision du tribunal sur la suspension. Voilà. Mais encore une fois, je ne sais pas si j'étais bien claire dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette affaire de zone noire, s'il s'agit de déterminer des zones dans lesquelles, comme l'a dit M. Borloo, joue la solidarité nationale, ils peuvent partir ceux qui le veulent, c'est très bien. S'il s'agit de déterminer des zones dans lesquelles les gens sont obligés de partir, ça ne tient pas la route une seconde. Voilà. Donc de quoi parle-t-on? On a toute une histoire ici, plus des avis de gens scientifiques, et c'est ce que j'attends, moi. Et j'accepterai de partir si on me fonde qu'il est bien de partir actuellement pour moi et pour mes enfants. Voilà. Donc je voudrais savoir si on conteste ces zones, si on peut avoir recours à des critères élargis et pas uniquement des décisions administratives. Parce que, voilà. Donc, je crois que votre position, madame, est de très bon sens. Personne n'est suicidaire, hein. Personne n'a envie de mourir. Chacun est attaché à sa maison, ça tout le monde peut comprendre, et n'accepte de partir si vraiment on lui prouve qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Pour le moment, cette preuve, on l'a pas. Voilà. Il faut être clair là-dessus, pour ce moment, cette preuve, on l'a pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. C'est de voir si on peut demander au tribunal déterminer les conditions dans lesquelles comment ces critères devraient être établis. Voilà. Ce qui serait peut-être plus intelligent que d'avoir un raisonnement complètement binaire en disant zone ou pas zone. Je vais regarder si on pourrait proposer quelque chose comme cela. J'ai été très choquée, comme vous l'avez peut-être été les uns et les autres, de voir que dans certains commentaires, les victimes de la faute et de l'aiguillon ont été présentées presque comme des responsables de ce qui leur arrivait. En disant, vous n'avez qu'à pas y aller, quoi, pour ce mode. Ils ont bien écouté, les journalistes, écoutez ce qu'on est en train de dire. Voilà. Oh, les journalistes, ils n'ont fait que dire ce que les autres disaient. Ce n'est pas eux qui ont dit que. Ils ont reporté ce que d'autres disaient. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que de bien expliquer à tous nos concitoyens, parce que ce qui se passe chez vous, c'est quelque chose qui mobilise la France, parce que chacun sait que quelque part ça peut lui arriver. De bien expliquer que, d'abord, il y a des maisons qui sont là depuis très longtemps, des maisons de famille, auxquelles il n'était jamais rien arrivé. Que deuxièmement, tous ceux qui se sont installés plus récemment, maison principale ou secondaire, l'ont fait sur la base de documents que j'ai vus, moi, en tout cas ceux que j'ai vus, dans lesquels soit il n'y avait rien sur les permis de construire, soit sur les actes de vente, il était fait référence à un aléa léger ou moyen. Combien de nos concitoyens acceptent de bâtir en sachant qu'on a un peu les pieds dans l'eau? Malheureusement, dans tout le nord de la France, moi j'ai été voir des gens qui inondaient à Abbeville, hein, par exemple, je pense à cela parce que j'y suis allée, oui, bien sûr. Et malheureusement, avec le changement climatique, on va avoir des modifications, etc. Si on décide qu'il n'y a plus une once du territoire français sur lequel on construit avec un risque d'aléa faible en termes d'inondation, je vais vous dire,
qu'on va perdre une singulière partie de notre territoire. Donc ce serait plus intéressant de réfléchir quel genre de construction on fait, plutôt que de dire on va arrêter de construire. Ce que je dis pour les aléas faibles à moyens, je ne parle pas des zones dangereuses. Aléas faibles à moyens, ça ne veut pas dire zone dangereuse. Zone dangereuse, c'est autre chose. Il faut qu'on ait une autre vision des choses, mais c'est important d'expliquer ça à nos concitoyens. Il est important de vous expliquer que vous êtes des victimes, que vous n'êtes pas des gens responsables, que ce n'est pas délibérément que vous êtes venu vous installer dans une zone où vous saviez pertinemment qu'un jour arriverait ce qu'on a vu. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Par conséquent, ça ne doit pas être fait. Jean-François Petit, je me présente, je suis maître d'œuvre et conseiller en patrimoine. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit, et j'ai la même position que vous vis-à-vis du courrier que nous avons reçu. Toutefois, je me pose quand même des questions sur le fait, aujourd'hui, de dire est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on prend la zone, pas la zone des Doris, et je ne l'appellerai pas, moi, par le mot que vous avez dit, parce que ça me fait mal au cœur, mais est-ce que la solution ne serait pas de tout nier en bloc et de dire « après, nous discutons ». Je crains que l'État risque de dire « eh bien oui, vous comprenez, il y a une petite zone que vous ne voulez pas » et entrer dans le pas de dire « ben là, nous avons gagné ». Je ne permettrai pas à l'État, enfin personnellement, de gagner sur cette affaire. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des zones qui sont plus ou moins à risque, des zones où il faudra des aménagements, des zones où il faudra peut-être tout détruire, mais c'est à nous, associations, de tenir bon et de ne pas laisser la moindre subtilité à l'État pour nous faire partir. Enfin, ça, c'est mon sentiment, moi, en tant que conseil. Ceci étant, aujourd'hui, il y a des gens qui sont sinistrés, il y a des gens qui voudraient de nouveau rentrer dans leur maison parce qu'ils considèrent qu'ils veulent avec les habiter, c'est leur plus strict droit. Ceci étant, les compagnies d'assurance font un blocage où les experts, et j'ai des courriers pour vous les montrer, où les experts nous disent non, nous avons jusqu'à fin août pour vous donner le résultat du sinistre et de la valeur du sinistre que vous avez chez vous. Et les assureurs nous répondent en tant que maître d'œuvre, et je ne suis pas le seul, eh bien non, attendez, de toute façon, donnez-nous le document que vous avez reçu sur la zone noire, votre maison sera détruite, donc cet argent ira à l'État, et l'État vous donnera le complément. C'est vraiment le forcing de la part des compagnies d'assurance, notamment une qui s'appelle AXA, qui énerve vraiment, vraiment beaucoup de monde et qui aujourd'hui se retranche vers cela. Alors que d'autres assurances, comme Généralistes, j'ai appris tout à l'heure, eh bien dit non, nous avons un droit vis-à-vis du propriétaire, celui de l'indemniser à la limite hauteur de 70%, 25% s'il est reconstruit, c'est la législation. Que pensez-vous de cela? Que doit-on répondre aux compagnies d'assurance? Vous voyez, monsieur, c'est typiquement un sujet qu'il faut que nous traitions collectivement. Je vous disais tout à l'heure, il est important qu'on arrive à avoir des réponses collectives et non pas individuelles. Parce que vous, encore, vous êtes un professionnel, vous connaissez, vous pouvez en plus avoir plusieurs cas et donc les comparer. Mais la plupart des gens qui sont ici sont tout seuls par rapport à leur compagnie d'assurance. Je pense qu'il est très important que nous arrivions à collectiviser les réponses et à avoir une position vis-à-vis des compagnies d'assurance de manière à faire en sorte qu'elles-mêmes sachent qu'on sait et qu'elles s'alignent sur la meilleure proposition et non pas sur la plus mauvaise. À partir du moment, effectivement, où on conteste, ça c'est l'intérêt de contester le zonage. C'est de dire, j'ai décidé de rester, jusqu'à ce qu'il y ait une décision légale qui m'oblige à partir, et par voie de conséquence, je vous demande de vous mettre l'eau, de mettre l'électricité, de m'indemniser. Parce que ça, c'est la loi. Donc, bien faire la part des choses entre ceux qui veulent partir, ceux qui veulent rester. Ne léser personne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'attitude de ceux qui veulent partir gêne ceux qui veulent rester et vice versa. Mais ceci étant, c'est absolument pas normal que les compagnies d'assurance aient ce type de comportement. Donc, je crois qu'il faut qu'on parle collectivement. Vous êtes quand même, je ne sais pas, vous êtes 500 personnes dans cette salle. Peut-être plus, j'en sais rien, à vue de nez. Bon. Vous représentez quelque chose. Il ne faut pas y aller le nez au vent et chacun de son côté. Il faut y aller de manière collective.